Alors là, on vient d'amener une première canne. Donc on a vu que sur la dernière session, les plus gros départs qu'on a eu ont décroché des poissons. Alors est-ce que l'armement était pas assez gros ou est-ce que les vifs étaient trop gros? Donc du coup on a décidé de faire deux cannes avec des vifs d'une vingtaine de centimètres et deux autres cannes avec des vifs vraiment beaucoup plus gros pour essayer. Donc pour la deuxième canne, voilà, on va mettre un jouet vif à peu près d'un kilo. Donc comme d'hab, un hameçon sur le nez. Et un triple piqué au cul comme ça. Donc ça donne ça. Alors. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu avant, on vient de mettre les cannes à l'eau. Donc je suis sur mon spot habituel 4K100. Comme d'hab, il n'y a pas beaucoup d'eau, on va rester, là c'est 4 heures, on va rester jusqu'à 23h minuit pour essayer de pêcher toutes les heures favorables aux silures. Et écoutez, on se retrouve sur le plus du poisson. A toutes les gars. Oh putain. Il est où pas? Prends la canne. Allez. Ah ce salaud. Bon ça. Allez, cam en l'air. Disparu, suspendu. Jamais nous, voilà, attends. J'ai ramené celui-là, cam en l'air, jamais nous. Mais viens d'ici. Reste là, allez, vas-y, tiens. Ah, viens d'ici, saute. Allez, attends, saute les cannes. Et regarde là, je prends la caméra. Allez, viens de là, Jimmy, viens de là. Viens de là. Vas-y, pas canne en l'air, canne en l'air. Oh putain. Non. Voilà. Mouline, Jimmy, parce que là, t'es dans le courant là. Bah oui. Mouline! Attends, faut que tu le suis là, viens avec moi! Mouline en même temps! T'as cet enculé! Hop! Hop! Ça arrive. Ouais, t'as vu, c'est chiant, hein, putain. Gros vif, hein. Ah, tu vois, c'est la première qui est partie quand même, hein, putain. Le ferrage, je vous ai attendu avant de. Ouais. Voilà, premier sillon de la session. Ouais, il doit faire 1m50 à peu près. Tu le remets à l'eau? Hein? Tu le remets à l'eau? Prends pas la main. Vas-y, tu peux y aller. Petit release. Et allez, c'est reparti. Ah, ça merde. Tu l'as? Non. Décro? En mode leader quand même, t'as rien à porter. Oh, ça a cassé. Ouais. Il y est? Ouais. Ah, je le fais. Vas-y, je vais ta flèche. Retire un peu. Non. Mouline à droite, en fait, tu galères un peu. Il est petit, hein? C'est tout ce qu'il y a du vrai. Ouais.
très gros. Ouais. Là, mais... hein. Voilà, deuxième départ de la soirée. Voilà, ouais, pareil, il fait 100m50. Faut tout se calibrer ce soir. On a fait 3 heures de pêche là, deuxième départ. Non, troisième départ. Je viens d'en décrocher un juste avant. Voilà, un beau petit silure qui m'a fait un beau combat. Combat de surface. On va le remettre à l'eau gentiment. Allez. Eh hey, mon gars. Yes. Oh, 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 ça a cassé. Il y troisième de la soirée. Ouais. Il est plus petit celui-là, non? Ah, il est pas gros. C'est vrai qu'il est vraiment pas petit, il est pas vraiment grand. Ah mais attends. C'est vrai qu'il est... ça m'en voit rien, et en même temps le con lui il se met au bord. Bon là les gars, encore un silure, c'est le troisième de la soirée. Ce soir ils sont très mordeurs, ils sont pas très gros mais ils sont mordeurs. C'est le troisième. Voilà, joli poisson, pareil 1m50 à peu près. Ils sont tous calibrés pareil. Ah. T'as réussi à en accrocher un, genre. C'est vrai? Attends, attends, attends. Ah. Non, mais attends, ça va pas, ça. Vas-y, attends. Non, mais sérieux, ensemble. Attends, mais il faut pas qu'il déco deux stops les deux, il fait pas de la merde. Je vous demande à la vidéo quand même. Genre, le mec il pêche au leurre, mais genre juste comme ça et puis il fait un cendre. Alors que le mec là tout à l'heure il pêchait au vide. Bon les gars, pour tous les pêcheurs de cendres ou silures qui disent que les cendres sont pas là où les silures sont, en ce moment les silures sont super actifs, on vient d'en sortir 3. Regardez, je viens de faire un cendre au leurre. Vas-y. Bon les gars, je vous prouve que je le relâche bien, hein. Petit release, ça fait toujours plaisir, je voulais pêcher 2-3 vifs au leurre et j'ai fait un beau cendre. Allez release. Bon là les gars, désolé vous n'aurez pas eu le départ parce qu'on pêche la nuit, enfin on a pêché un peu de mocassin. Il nous a amené jusqu'au courant là, il s'est piqué sur le côté je pense en attaquant le vif. Voilà, c'est le quatrième de la soirée. Et là c'était la dernière canne à l'eau, voilà, canne dépitée en plus. Je vais vous le montrer et on va le relâcher. Il arrête de... Allez. Les gars, dernier poisson de la soirée. Donc ce sera le quatrième poisson. On a eu 5 départs, 4 poissons sortis. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait une super pêche. On a mis un bonus d'un cendre en pêchant les vifs. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une sortie silure. Ciao les gars.